Bonjour. Je crois que si on est parce qu'on est désiré, eh bien, on est d'emblée la favorite de celle qui vous met au monde. Et c'est peut-être pour cela, entre autres, qu'il faudrait que tous les enfants mis au monde soient désirés pour être d'emblée la favorite, en tout cas jusqu'à la prochaine naissance. Ouais. Je crois que le secret pour être la favorite de quelqu'un, c'est de donner des idées, de l'amour, de la compagnie, du rire, et de donner sans attendre en retour. Je crois que c'est ça le secret. Parce que si on n'attend pas quelque chose de spécifique en retour, eh bien, on peut, à un moment donné, être la favorite. Eh bien, c'est quelque chose que l'on sent parce qu'on ne se sent jamais de trop. Et on ne se sent jamais critiqué. On est apprécié juste pour ce qu'on est, quand on est là. Et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas attendre en retour. C'est pour pouvoir être là, apprécié pour le moment. Je crois que je suis la favorite pour chacune de mes 4 filles. Je crois que je suis leur mère favorite. C'est facile parce que, en fait, il n'y en a qu'une. Donc, forcément, je suis leur mère favorite. Je pense aussi que je suis la sœur favorite de mes 2 frères qui n'ont qu'une seule sœur. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est assez facile d'être la favorite. Merci mes filles, merci mes frères. Alors, pour répondre à cette très belle question, j'aimerais vous lire la fin de la favorite qui, je crois, répond à cette demande d'être muse en même temps que favorite. Ça sera donc morte, certes, mais favorite. Moi, Mara, comtesse de Noailles, j'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache combien j'aimais la vie, et pour être, après la mort, parfois encore aimée, et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille en son âme et me préfère à elle. La muse favorite. Oui, c'est en fait raconter des histoires. C'est pour ça que ce livre s'appelle « La favorite ». C'est pour raconter des histoires et les partager avec vous. C'est pour que ces histoires deviennent aussi les vôtres. Et bien sûr, je me donne une peine infinie pour ciseler chaque phrase, pour que tous les mots vous plaisent comme ils me plaisent à moi, pour que la musique chante. Peut-être que ainsi la favorite devienne votre roman favori, comme il est ou elle est mon roman favori jusqu'au prochain, vu que c'est le dernier livre roman que j'ai écrit. Ben, j'aime les mots, c'est en fait ma forme de création. Ce qui me fascine souvent, c'est qu'en fait, les mots que j'utilise, bien sûr, ils ont déjà été utilisés par d'autres, mais je les agence autrement. Quelquefois, j'en invente, comme quand je dis « réjouir », « rejouir », »,« jouir ». Voilà, jouer avec les mots, c'est jouir des mots. Et puis, je pense beaucoup à Colette par rapport à cette question. Colette, écrivain merveilleuse, qui jouissait, qui nous fait jouir de chaque mot qu'elle écrit. Je pense à Claudine à l'école, à Sido, la mère qui appelle. Mais où sont les enfants? Et on est l'après-midi dans ce jardin, et les enfants ont disparu dans quelque arbre. Et Colette qui raconte comment coucher sur les arbres. Elle voyait le dessous des arbres et le ventre des oiseaux, et ça me donne envie d'écrire des haïkus, des poèmes comme celui-ci. Dormir l'après-midi pour retrouver le temps où les enfants criaient sous les marronniers roses, et d'essayer de donner avec les mots la beauté des fleurs roses du marronnier. Alors, sur la 4e de couverture de La Favorite, c'est ce qu'a écrit l'éditeur, une histoire moderne d'amour et de sexe. Donc, c'est cela.
mais je dirais que c'est surtout une autofiction poétique. La poésie est très importante dans ce livre, c'est elle qui lui donne la musique, et donc il y a ce mélange de prose, d'histoire, de suspense, mais qui a tué Cyrine, et en même temps la poésie qui revient à chaque fois pour nous ramener dans ce monde de musique, de la musique des mots qui fait que finalement on aime un livre. Alors c'est aussi ça l'idée de la favorite, c'est qu'en fait on est toutes favorites, et le roman il parle de ça, du fait que un homme peut aimer plusieurs femmes et que chacune est sa favorite à un moment donné, pour une raison donnée, qui a aucune raison de vouloir être une favorite exclusive, que l'important c'est d'être à un moment donné la favorite. Et puis il y a cette idée de la pulsion du désir, de la pulsion de vie, de cette idée de l'amour, toujours. Ça peut paraître très naïf, mais bien sûr, Lève, Barbe Bleue, il a aimé beaucoup de femmes, et en fait, l'amour de quelqu'un, de quelqu'une, va enrichir l'amour de l'autre. Et c'est ça aussi le message de la favorite, c'est que toutes, à un moment donné, Mara ou Cyrine ou d'autres encore, sont la favorite pour une raison donnée, pour un moment donné, parce que nous sommes toutes différentes et nous avons d'autres choses à offrir et à donner. Ben, c'est une relation qui, comme toute relation, comporte en fait deux parties, une femme, un homme, une autre femme, un autre homme, des femmes. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman qui se croisent et se rencontrent. Il y a Stanislas, il y a à un moment donné Luce. Donc voilà, les rencontres, on en fait tous les jours, des hommes, des femmes, c'est nous. Le lieu est très important, d'abord parce que j'aime beaucoup écrire dans les cafés. Et la favorite, c'est un lieu particulier, c'est par la fenêtre, on voit cet ancien quartier de Paris, Saint-Paul-Rivoli, où vraiment, à un moment donné, un matin, j'étais assise là et j'ai vu les femmes de 1920, 1925, après la Grande Guerre, qui passaient là, dans la paix, lissaient leurs robes, avec toute cette poussière d'or autour d'elles à cause des vitres de la favorite. C'était un lieu magnifique, et c'est un lieu qui est là depuis longtemps, et donc ça m'a beaucoup inspirée. C'est là que j'ai trouvé le titre du roman, La Favorite, et depuis j'y suis retournée. Le livre s'est écrit là, en imaginant ce temps passé, plein de poussière d'or, d'autres poètes. Absolument, je me suis refait des films, mais oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est bien d'être au café plutôt. Bon, j'écris aussi ici, bien sûr, mais au café, on est entouré de tous ces gens qui font le film de la vie au quotidien. Eh bien, mon rêve, bien sûr, c'est que les gens qui vont lire, les personnes qui vont lire ce livre se l'approprient et se disent « Oui, en fait, l'amour est ouvert. Nous sommes toutes des favorites. Aimons sans restriction. » Et puis, peut-être que, voilà, certains de mes haïkus vont rester, leur musique va rester dans l'oreille de quelques lectrices ou lecteurs, et ça, évidemment, c'est un rêve qu'il et elle se récitent aussi dans leur sieste, dormir l'après-midi pour le temps d'autrefois où les enfants criaient sous les marronniers roses. Donc en fait, ils vont se raconter des mots d'amour. Ils vont se raconter des mots d'amour. Ils vont peut-être écrire leur propre histoire d'amour. Elles vont peut-être être Cyrine. Elles vont peut-être être Mara. Ils seront peut-être Stanislas, son cheval blond. Ou ils seront Lève et sa barbe bleue. Donc en fait, c'est le scénario d'un prochain film. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Que le film des gens autour de moi, de la vie autour de moi, devienne un film à partir du livre, La Favorite. Mais pour l'instant, il y a le livre. Ben, merci beaucoup, Barbara, pour avoir répondu à ces questions. Merci à toi, Jean-Marc Le Beaupin, et merci à Artsixmic. À bientôt.
À bientôt.